Écoute, ouais, de toute manière, comme dit, là, il est en pause, mais dès qu'il revient, tu peux aller avec Maxime préparer les commandes Click and Collect. On a trois paires à préparer, le client vient les chercher à 16h. Donc, organisez-vous, voyez comment vous faites la commande, ça marche. Bonjour à vous, bonjour. Bienvenue, hein. Est-ce que vous avez besoin d'un conseil en particulier? D'accord, ok. Ok, ouais, effectivement, c'est bientôt la rentrée des classes, donc tout naturellement, on cherche un petit outfit, on cherche la petite paire qui fera la différence à la rentrée. Vous rentrez en quelle classe si c'est pas indiscret? On va se tutoyer tout de suite parce qu'ici, dans le shop, on n'est pas pompeux, tu vois. On se prend pas la tête, tu peux me tutoyer, je peux te tutoyer. Tu rentres en quelle classe? En seconde. Ouais, bah écoute, ouais, nouveau lycée, enfin nouvel établissement, faut que tu mettes toutes les chances de ton côté, faut faire mal dès le début, faut que tu choques immédiatement si tu veux être pris au sérieux, hein. Tu sais ce qu'on dit, tout se joue les 20 premières secondes, sur tes 20 premiers mots, les 20 premières secondes sont capitales pour les 20 prochaines années et l'image qu'on gardera de toi. Donc si ça peut commencer par une petite paire bien sympa, faut mettre les chances de ton côté, mon frérot. Tu t'appelles comment? Bastien, ça marche, Bastien. Donc ouais, bah déjà, pourquoi t'es venu chez nous et pas ailleurs en fait? Parce que t'as entendu qu'on a les meilleures paires de la ville, quoi, c'est ça? Ok, t'as entendu qu'on est une boutique, un shop de passionnés, quoi. Bah écoute, t'as tapé à la bonne porte, hein. Donc dis-moi, toi, tu cherches plutôt quoi en fait? Oui, c'est de ma faute, j'ai pas été assez précis dans ma question. Est-ce que t'es plutôt paire de b-ball, paire de basketball, ou plutôt running, ou vraiment paire de sport de salle, comme ce qu'on voit en ce moment, pas mal les Adidas spéciales, ou les Samba, ou non. Donc pas ce genre de basket-là. T'es pas non plus sur du b-ball, donc pas de la Jordan, ok? Ok, donc, tu veux une paire running. Voilà, je savais. Bon bah écoute frérot, je vais te proposer différentes paires. Des paires de running et puis tu me dis ce que t'en penses, d'accord? Donc, pour rien te cacher, quand on parle running en 2024, la première marque qui vient en tête c'est... Je crois que t'as déjà deviné ce que je vais te proposer. Laisse-moi 2 petites secondes, je te cherche ça. Espèce de petit nubuck, un petit suède texturé,
vachement cool, les lacets au top. Petit grillage à l'avant, tu vois. Sur une paire, regarde, hein, tu vois, elle est super bien assemblée, aucun fil qui dépasse. Tout est aux petits oignons, on a le N réfléchissant. Vraiment super belle paire, mon ref. Crois-moi, très très bonne qualité, très très belle paire. Tu veux en voir d'autres? On la met de côté, celle-là. Ouais, effectivement, moi je trouve que c'est pour l'automne un choix super cool. Ça de côté, attends. Sinon, New Balance, j'ai d'autres choses en New Balance aussi, si tu veux voir. J'ai du coup la Rival, normalement, tu vois très bien c'est quoi. Normalement, tu vois très bien de quelle paire je te parle. On fait croustiller le papier, frérot, on est obligé. Hein. Du coup, la rivale, c'est la 1906, la 1906 ou la 1906. Tu vois, c'est toi qui vois, mon ref. Donc, sur la semelle, on est exactement comme la 2002 sur la semelle énergie. Donc, avec notamment là les petits amortis en gel qui sont incroyables niveau confort. On a le système Endlock. Donc, c'est ça, regarde. C'est du coup ça. Tu peux les resserrer avec ça en fait, hein, sur le N directement. Voilà, très très belle paire également. Je trouve qu'elle est un poil plus confortable que la 2002R, notamment à cause de la cage ici à l'arrière, tu vois. La petite cage qui maintient super bien le talon. C'est un confort de malade, hein, on va pas se mentir, clairement, New Balance, que ce soit la 2002. Ou la 1906, tu seras super bien dedans. Et puis tu sais ce qu'on dit. Quand tu es à l'aise dans tes vêtements, quand tu te penses beau gosse tout en étant à l'aise dans tes vêtements, c'est là où tu es à même de délivrer les meilleures performances. Donc notamment à l'école ou dans ton travail, mais bon, t'es un peu jeune. Donc c'est pour ça que c'est important d'une de se sentir frais et de être super confortable parce que si tu veux briller, si tu veux être à ton prime, c'est important de réunir ces deux éléments. Ouais, donc regarde, je te la montre, tu me diras si tu voudras l'essayer après. En tout cas, très 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 belle paire. Ok. Bien évidemment, hein, tu m'as dit que tu faisais du 45 juste avant, je te les montre en 45 directement. Ok, je te la mets de côté. Donc je te les ai mises de côté, mais tu m'as dit que tu voulais voir d'autres choses. Alors, je te cache pas, New Balance en running, c'est un peu tendu là. Je pourrais te montrer d'autres modèles, mais c'est des modèles que tu verras un peu plus partout et c'est pas sûr que tu fasses vraiment la différence à la rentrée en fait. Du coup, il y a un modèle qui revient super fort en 2024.
n'est pas chez New Balance, mais ça reste une running. C'est normalement, je te montre la boîte, tu reconnais tout de suite. Voilà. On est chez Nike, hein. Alors c'est pas la qualité de New Balance, on est d'accord, hein. Mais Nike, toujours est-il que ce sont des modèles intemporels, des designs, des gros classiques. Tu vois, regarde ma casquette, tu vois. Et ouais, ça fait toujours son effet également à la rentrée. Là, je vais te sortir une paire, normalement, F-Lash. Je vais pas te mentir, dans la cour, on va voir que toi parce que t'es trop frais. Et en plus de ça, elle est ultra confortable. Et oui, mon pote, une petite Air Max One coloris Chili 2.0 parce que la première est sortie en 2006. Et là, c'est la 2.0 qui est sortie en 2024. Enfin, ressortie du coup. Voilà, c'est assez limité quand même comme basket. Tu devrais pas voir grand monde avec. Normalement, t'es ultra frais avec ça, mon pote. Juste moi, je regrette un petit peu le Nike Air à l'arrière, je l'aurais mis en rouge comme le swoosh, tu vois, et la bulle d'air. Voilà. Ce que j'aime beaucoup avec la Air Max One, c'est notamment, tu sais, cette petite matière noire là, qui est super agréable à l'oreille. J'aime beaucoup aussi le mesh sur l'Air Max One. Donc ça. J'aime beaucoup, hein, je vais pas te mentir. En plus, regarde, sur ma casquette, c'est une Air Max One. Quasiment le même coloris. Pas tout à fait, mais on va tricher un petit peu. Donc, ouais. Super sympa. Et quand je te parlais de gros classiques intemporels, regarde cette paire, mec, dis-toi, ça fait depuis 1987 que c'est ce design-là. Et ce design fait encore des dégâts. Tu la mets clairement, c'est dégâts, dégâts, dégâts. Tu vois, tu casses tout avec ça. Donc ouais, gros classique. Retiens bien, je t'ai dit 1987, mais il se peut que je te parle d'autre chose un petit peu après. Ok, tu vas en voir d'autres. Ok, ouais, j'ai encore plein de trucs. Parce que ça part plutôt bien.
design de malade, surtout le petit orange là entre les quatre bulles d'air. Je trouve que c'est incroyable le design en dessous, il est complètement fou. C'est clairement un gros banger, une grosse pépite cette TN. Et pourtant, j'aime pas trop les TN, hein. J'aime pas trop les TN. Mais celle-là, la version originale, donc le coloris original, le coloris dans lequel elle est sortie la toute première fois, ben je le trouve incroyable. Voilà, je te la mets de côté, hein. Tu vois, on est sur de la grosse bulle d'air une fois de plus, hein. Elle est magnifique. On a un petit mèche en haut là. Magnifique. Basket super cool. Je te la mets de côté. Tu sais que ça, normalement, je devrais même pas te la proposer, hein, ça normalement. C'est pour mes clients les plus fidèles. Normalement, cette paire-là, je donne accès uniquement à mes clients fidèles. Toi, c'est la première fois que je te vois, Bastien. Mais je sens que tu es passionné. Donc, je veux bien faire une exception. Je veux bien te donner accès à ce genre de produit. Voilà, je te laisse constater la boîte. Tu vois que tout est authentique. Barre écriture. Oui, effectivement, comme je t'ai dit juste avant, on a des paires, des petites paires assez premium qu'on réserve pour nos meilleurs clients, effectivement, parce que ce sont des produits qui sont en édition très limitée et voilà, compliqué d'accès, effectivement, oui, on en a deux, trois. Je peux t'en montrer un ou deux, effectivement. Ouais. Écoute, tu m'as dit que tu voulais rester dans de la running. Dans de la bulle d'air, tu m'as dit également que tu étais plus Air Max One que TN. Alors, j'ai peut-être un truc pour toi. J'ai peut-être un truc pour toi. T'as vu que le skate en ce moment, ça buzz pas mal. Ça revient vraiment à la mode. Et y a rien de mieux en ce moment, je trouve, de plus intéressant dans le monde de la sneakers que les collabs entre. Attends 2 secondes, parce que. On dirait que j'avais un bec de lièvre, enfin bref. Y a rien de plus intéressant, je trouve, dans la sneakers en ce moment que. Eh bien, les collabs entre des marques de skate et Nike, notamment sur des modèles comme la Air Max One. Alors, je vais te montrer celle-là. Tu verras, ça pour moi c'est une paire vraiment pépite. Mais quand je te dis pépite, celle-là c'est pour te dire, elle est même pas en rayon, hein, tu vois. C'est vraiment pour nos meilleurs clients. Je te présente ceci. Comme tu l'as vu, c'est en collaboration avec la marque Euf. On est sur une boîte verte, une spéciale box, une boîte un peu spéciale. On va voir ce qu'il y a dedans. Normalement, ces boîtes spéciales, il y a aussi un papier spécial. Ok, bah tu vois, le papier, il est incroyable. C'est un papier comme les pellicules d'appareils photo, je te montre. Ça c'est pour illustrer le fait que tu sais, d'habitude les skateurs ils font des vidéos de skate et voilà en fait Euf a notamment participé à beaucoup de vidéos de skate pour leur marque avec leur skateur pro. Tu vois, Euf. Ensuite on a le vrai papier de soie. Ok, bon, donc je te présente cette grosse paire de malades, mon ref.
déjà le pied droit en détail. Donc là, comme tu vois, elle est grise. Là, c'est pas du mèche, c'est du cuir, ok? Les lacets sont noirs avec les contours en vert. L'intérieur de la paire, il est vert. L'étiquette, il n'y a pas le Nike Air, c'est œuf. Tu vois, la collab. Et à l'arrière, c'est Nike Air. Et tout autour, on a ce cuir anthracite. Magnifique. Sur tout le contour de la paire, ce cuir craquelé, regarde. Il est volontairement craquelé. Et bien sûr, l'intérieur des bulles d'air vert, ok? Je suis désolé frérot, je l'ai fait tomber sur ta tête. Ça arrive, on va pas se mentir. Je te prie de m'excuser, je te prie de m'excuser. Paire incroyable, ok? Et je te montre l'autre pied quand même, là où il n'y a pas de lacet attaché. Donc là, tu vois, là, c'est comment elle rend avec les lacets normaux, quoi. Ok. Bon, t'excuseras, hein, toujours ce petit problème de finition chez Nike. Tu vois, là, le petit fil, là. Là, juste là. Pas super, pas super. Et surtout, à l'intérieur, tu as un petit porte-clés Nike œuf. Donc, c'est un chat. Attends, j'essaye de te le montrer. J'essaye de le capturer. Avant de le rajouter dans le Pokédex. Mais attends, je vais le sortir hein, direct, comme ça, c'est fait. Regarde-moi ça. N'est-il point magnifique? Tu vois. Donc ça, c'est une paire vraiment exclusive. Comme je t'ai dit, je la réserve pour mes meilleurs clients. Après, si tu la veux, je peux tout aussi bien te la mettre de côté. C'est pas un souci. Ok. Avant de la ranger, je te remonte la paire. Tu me diras si tu prends ou pas. Avec ça, tu vas faire des ravages. Là, peut-être, où je vais être vraiment honnête avec toi, là où je te la déconseillerais peut-être un peu plus, c'est que c'est vraiment particulier comme couleur. Autant le gris, ça va avec tout. Par contre, le vert, comme ça, le vert pistache, ça va être compliqué de la sortir. Donc, garde bien ça en tête quand même. Ouais, donc, du coup, comme je t'ai dit, ça va être un peu compliqué à sortir et à faire une tenue avec, à moins que tu aies quelque chose, un haut vert ou quelque chose qui fasse rappel avec le vert pistache. C'est peut-être pour ça que j'ai une dernière paire pour toi. C'est une paire à titre personnel que moi j'ai dans ma collection, que je porte régulièrement parce que je trouve qu'elle est magnifique. Et je trouve qu'elle est assez simple à porter tous les jours. Et je trouve que pour la rentrée, si t'as un beau soleil le jour de la rentrée, les filles ne vont voir que toi. D'accord? Je te montre la pépite. Je te montre déjà la boîte. C'est ça. Ok, donc ça c'est une boîte que tu connais pas. Je vais quand même t'expliquer. Je vais quand même t'expliquer pourquoi cette boîte. Alors, si tu regardes ici, tu verras, il y a 4 œillets, d'accord? Donc 4 gros œillets, ça te rappelle rien. Normalement, c'est censé te rappeler une bulle d'air. Et ici, tu as donc c'est transparent ça. Et c'est ce qu'on appelle une grosse fenêtre. Là, les quatre bulles d'air, est-ce que tu remarques pas que ce sont des grosses bulles, des big bubbles comme on dit?
sur l'étiquette, normalement, tu vois que c'est une Air Max One 86. Alors, on est d'accord, avant, quand je t'avais présenté la Air Max One, je t'avais dit qu'elle était sortie en 87, pas en 86. Eh bien, sache une chose, mon ami, c'est que je t'ai raconté un mensonge pour voir si tu suivais. En fait, la Air Max One, elle est sortie en 1986. Simplement, à sa sortie, il y avait un problème. C'est que les bulles d'air, en fait, se déchiraient et se craquelaient. Donc Nike a arrêté la production et les ingénieurs ont bossé et se sont aperçus que la raison pour laquelle toutes les bulles d'air craquaient sur la Air Max One, c'était parce que la bulle d'air était trop grosse. C'était trop une big bubble. Donc c'était une grosse bulle d'air en fait, hein, mais qui était trop grosse et qui du coup ne résistait pas. Donc ils l'ont réduite pour avoir la Air Max One 87 qu'on connaît tous aujourd'hui et qui est voilà qui a régné pendant 35 ans. Et dernièrement Nike a décidé de remettre ses ingénieurs sur le coup et d'essayer de restaurer le design authentique cette fois-ci sans que la bulle ne craque. Et donc je te présente la Air Max One 86 Big Bubble, c'est la vraie originale, d'accord? C'est la vraie de vraie. Donc là, tu vois la grosse fenêtre que je t'ai mentionnée avant. C'est simple, elle est gonflée aux stéroïdes, ok? Elle est magnifique, c'est la vraie Air Max One comme elle est sortie dans les années 80, dans le coloris où elle est sortie dans les années 80. Donc c'est le coloris Deep Royal Blue, ok? Et je la trouve personnellement sublime, d'accord? Et ça, je te garantis, mon pote, tu portes ça à la rentrée, on va te prendre au sérieux tout de suite. Les filles ne vont regarder que toi et tous tes potes vont venir et se dire ce mec est trop cool, faut que je traîne avec lui toute l'année. Voilà, tu mets cette paire, t'es à l'abri mon ref. Simplement magnifique, ok. Et ça, pareil, on est sur une paire. J'y donne pas accès à tout le monde à cette paire, ok. Cette paire, c'est vraiment pour mes meilleurs clients parce qu'elle est très demandée. Elle est vraiment très, très, très demandée. Là, je t'ai mis toutes les paires à tes pieds. Je te laisse essayer. Tu me dis laquelle tu veux, mon ref. Je vais juste en profiter pour boire parce qu'il fait super chaud. C'est celui-là. Ok. Eh ben écoute, on part sur celle-là. Du coup, je t'ai pas encore.
Vas-y, dis-moi, je t'écoute. Tu t'appelles ça marche. Alors attends, là du coup c'est relié au logiciel pour encaisser. Ok, nickel. Bah vas-y, tu veux payer comment? Carte bleue, ok, parfait. Alors attends, on va juste régler là. Je déverrouille juste le téléphone. Ça marche. Vas-y. Ouais, tu peux payer sans contact. Ok, vas-y. Envoie ta carte. Merci. Écoute, le sans contact est passé. Je te file ta paire. Tiens, ça c'est pour toi. Ça marche, Bastien. N'hésite pas à repasser. Tu seras toujours le bienvenu. Et puis, je te dis bon courage pour la rentrée. Et n'oublie pas, tout se joue les 20 premières secondes. Impose le respect. Ne laisse personne te marcher dessus. Si on te balance un truc, faut que tu balances la même chose 2 fois plus fort. Ça marche. Le seul moyen de se faire respecter. Vas-y, courage Bastien. Et force à tous ceux qui vont préparer leur rentrée. Ciao, ciao.